Meurtre en série, fait divers sanglant, voici le Deux Potes, un jeu Action News, présenté par Harry-François de Dartès. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Deux Potes, un jeu Action News. Des centaines de morts, des milliers de blessés, des milliards de dollars de matériel détruit. Un nom, Ryo, responsable de tout ça. Ryo Futaba, vous êtes avec nous ce soir, bonsoir. Oui, ta gueule. Et nous allons donc parler de ça. Un reportage de Vincent Fromage de Chèvre, Charles Patrick Aurélien, Nicolas Sarkozy et Mylène Farmer. Hey ! Ah oui, d'accord, donc en fait c'est une fille géante. Ouh là 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 ! Goum ! Ouh, je suis une photo en contre-jour flou rat... Chapitre 1. Une créature géante apparaît. What ? Ouh, des armes spéciales, alors qu'est-ce qu'on a en armes spéciales pour plaire à cette fille ? Du gâteau ! Ok. On va reprendre un autre truc. Du poids, enfin des poivrons, du poivre, je ne sais pas, un bol, des haut-parleurs et un pince-nez. On doit prendre les mesurations de la nénette. Ce n'est pas du tout sexiste. Oh mon dieu. Oh c'est moche. On dirait un jeu Nintendo 64. Vite, il faut qu'on aille vers la nénette pour qu'on prenne ses mensurations. Ah, ah, elle va écraser. Ça, c'est gratuit. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, mais... Ah, putain, j'ai écrasé une maison avec un gâteau géant. Mais en plus, comment on a fait pour faire un gâteau si grand? Oh putain Mais qu'est-ce qu'elle fout? Les féministes se plaignent qu'il n'y a pas de représentation de femmes fortes dans les jeux vidéo. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Il y a une femme qui vient juste de détruire une maison avec ses pieds. Oh mon dieu, mais quelle horreur! Oh mon dieu! Oh mon dieu, mais regardez là, avec ses sandales et tout, mais c'est ridicule. Regardez comment elle aime pas ça. Vite, il faut que je récupère la taille de ses fesses. Mais non, d'abord, oui, c'est normal, on doit mesurer la taille de ses nichons et de son cul. Parce que c'est pas du tout sexiste, c'est pas du tout un jeu qui a été programmé que par des hommes, une cohorte d'hommes célibataires et en manque de sensations. Oh mon dieu, je me sens souillé, quoi. Oh, d'accord, ok, en fait, c'est une star, en plus. The famous idol who has been missing. Oh, mon Dieu! C'est une célébrité. Alors, on se dirige aussi vite que... Ok, ça commence bien. Oh, mon Dieu, je dois l'anesthésier sur les fesses. Oh, mon Dieu, c'est le meilleur jeu du monde. Mange le gâteau! Mange le gâteau! Mange-le! C'est bon les gâteaux! Oh non, elle se dirige vers la ville! Ah! Faut que je tire encore une fois sur les fesses! Oh, vous devrez avoir honte, Tamsoft! Oh mon dieu, je l'ai tabassé à coups de bol! Si je me permets le jeu de mots de merde, c'est pas de bol! Qu'est-ce que ça fait si je tire sur les fesses? Oh mon dieu, je l'ai tué! Je l'ai tué! Oh mon dieu, mais ils ont fait... Oh non, mais regardez... Oh, il y a des effets qu'on lui tire sur les... Oh non, mais il y a des effets qu'on lui tire sur la poitrine! Oh, mais le truc de pervers! Oh, c'est génial! Oui! Oui! Oh mon dieu! Oh, je suis choqué de plus avoir un hélicoptère, là! Oh mon dieu! Oh putain! Oh putain, ça a l'air compliqué! Vous êtes prêts, les amis? Parce que je le suis pas! Oh mon dieu! Oh, c'est injouable! Oh putain! J'arrive pas à voir les droits! Comment on fait? C'est injouable! Mon dieu! Putain, mais je veux voler, c'est tout! Oh, bordel de merde! Oh mon dieu! Oh, j'ai jamais vu! Oh mon dieu! Ah! 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 Putain! J'arriverai jamais à faire quoi que ce soit! Oh, j'en ai eu un! J'en ai eu un! Oh mon dieu! J'appuie sur tous les boutons, ça fait rien! Oh putain, mais j'étais encore tellement mieux avec l'hélicoptère! Putain! Neuf! Ouais! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Putain, mais c'est quoi cette merde? Vas-y, tire-lui dessus, bordel de merde! Mais putain! Je suis en plein dans le mini, tire au-dessus ce qu'on a! J'en ai 20, allez, c'est bon! On va y arriver.
Je crois que je commence à comprendre, j'appuie sur tous les boutons. J'attends que quelque chose arrive. Je sais pas, en fait ce que je fais c'est que j'appuie sur toutes les gâchettes en même temps en essayant de contrôler ça. Ah mais à côté l'hélicoptère, mais c'était génial quoi. Il me reste que 9% de vie. Ryo Futaba est dans la merde. Ah mon dieu, bon j'en ai 32, peut-être qu'en faisant n'importe quoi, je vais arriver à quelque chose. Je fais n'importe quoi, quelque chose se passe. Putain mais j'ai envie de jouer à Titanfall là maintenant. Avec Ezekiel. J'ai pas envie de jouer à ça. Bon j'ai raté. Ah oui, on va recommencer. Allez, Harry. Je tire dans le tas. Je fais ça à l'américaine. Ça y est, je commence à comprendre. En fait, non, je comprends rien, je fais n'importe quoi en espérant que ça marche. Putain, j'espère que la mission prochaine, il y a un hélicoptère, parce que là, franchement, c'est détestable le jeu. J'ai l'impression que je joue à Tomb Raider 1, quoi. Et vraiment, hein, c'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai vraiment l'impression de jouer à Tomb Raider. Mais le premier, vous savez, quand c'était injouable, il fallait appuyer avec la croix directionnelle et tout. Oui, 30. J'en suis à 30. Et Ryo Futaba est en train de perdre ses lacets. Oui. Ah, bah de toute façon, on a raté la mission, apparemment. Oh, bon bah, Ryo Futaba est morte, fin du jeu. Elle est noyée. Bon, oh, bah le jeu, il est fini, hein. Eh bah oui, hein. Oh putain, c'est quoi ça? Oh putain. Oh merde. Ah mon dieu. Oh putain, elle balance un Genki-Dama, là. Elle balance un putain de Genki-Dama. Oh mon dieu. Oh le tonnerre de Zeus. Oh non, oh putain. Oh putain. C'est débile. Il faut pas que je blesse Ryo Futaba, d'après ce que j'ai compris, je dois... Oh putain! Je viens de me prendre 4 lasers dans la gueule. Putain! Il me reste que 30% de vie! 20%! Oh mon dieu! Oh mon dieu! 16%! Je vais crever! Ah merde! 3%! Oh putain, fuyons! Putain! Oh là là! Oh merde! Oh je suis mort! Oh putain! Ah c'est littéralement un Kamehameha! Oh mon dieu! Oui! J'ai gagné! La créature a mouru. Mission accomplie. Même si elle est toujours dessus. Ah, grosse explosion sur la tête de Ryo Futaba. Je me demande si elle va crever. Il faut évacuer Tokyo car Ryo Futaba va attaquer Tokyo parce que elle est pas contente. Oh là là, il y a des gens qui ont pas pu s'échapper, c'est tristounet. Oh là 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 là, ça fait peur. La garde nationale est en train de faire un plan pour la stopper parce qu'elle est dangereuse en bikini. What? Mais c'est complètement débile. Elle est pas contente. Oh putain! Oh, elle avance vite! Oh my god! Je lui tire dessus parce que je sais vraiment pas ce que je dois faire, bordel de merde! Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Bordel de merde, qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez, qu'est-ce que... Oh putain! Non! Mais d'accord, en fait, on doit esquiver... Ah mais en fait, détruit... Putain, mais je comprends rien! Mais putain, mais regardez là! Elle est en train d'esquiver des headshots et là, il y a des trucs qui explosent devant moi! Franchement, je le dis à chaque fois, mais je me pose vraiment la question, mais qui a pu développer ça? Parce que soit c'est un mec qui est génial et qui dit « Ouais, je vais faire ça de manière humoristique et tout », soit c'est une bande de putains de gros pervers qui sont un petit peu débiles sur les bords, parce que regardez, le but du jeu, c'est quand même de tirer sur une nénette. Oh merde! Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux l'esquiver au moins! Oh putain! Oh la malade! Ryo Futaba qui nous balance un immeuble à la gueule. Oh mon dieu, Ryo, tu es complètement folle. Ah, je l'aime bien cette fille.
J'aime bien, elle est complètement folle. On peut détruire des immeubles. Oh, c'est épique. Oh putain, j'adore. Regardez. Oh, c'est génial ce jeu. J'adore l'attention des détails, quoi. Oh mon dieu, je suis en train de détruire le Japon, mais c'est pas grave. Je suis encore plus destructeur que Ryu Futaba. On a déjà eu ça, c'est pas grave. C'est pas grave, Ryo, vas-y, on s'en fout. Je te le rattrape. Détruisons des voitures aussi, détruisons des... En fait, en détruisant des voitures, on tue des gens quand même, hein. C'est ça que j'aime bien. Regardez, là, par exemple, là, il y a une famille entière japonaise qui est en train de se sauver. Que fait-on? Regardez, oh, on va se sauver! Eh ben non. Mais vraiment, je comprends pas le but de la mission, hein. Je vous dis ça, mais je comprends vraiment pas. Est-ce que, en 57 secondes, les 86%, donc les 14%, les 13% restants vont être évacués, ou il faut que je stoppe Ryo Futaba pour que cela aille plus vite? Je n'en sais rien. Qui faisait plus la voix de Steak. C'est... Ah! On a gagné, je sais pas comment on a fait. Tout ce qu'on a fait, c'est rentrer dans des voitures, tuer des gens, tuer des immeubles, et à voir ce que je vois, ça a servi à rien, parce qu'au final, elles foncent vers Tokyo. Génial, ce qu'on a fait aujourd'hui ne servait à rien. Mais ce n'est pas grave, les amis. Car nous avons presque réussi. Bon, ce qu'ils disent en gros, c'est... Ouh là là, Ryo Futaba, elle va escalader le... Ouh là là, c'est complètement gratuit. Complètement gratuit, j'adore. Antidote, que je ne me trompe pas. On est prêts, les amis? On est prêts. Allons-y. Oh mon dieu, c'est beau comme jeu. Oh là là. Vous avez vu, Shinjuku, on est au Japon, les amis. Oh putain, qu'est-ce que c'est, quoi, ça? Oh là là, oh putain. Bordel de merde. Esquive. Ouh, esquive. Ouais, j'ai encore la voix cassée, donc j'arrive pas à chanter la musique du Seigneur des Anneaux, mais bon, vous avez cru reconnaître, j'imagine. Ah, ensuite, tac. Vas-y, on l'enchaîne. Ouais, vas-y, ouais, on l'enchaîne. Oui. Regardez-moi ça, c'est satisfaisant. Wario. How come there are so many people? That's odd. Wario time. Oh mon dieu, on va voir les belles têtes de pervers qui ont fait ces trucs-là. On remercie Nobuyuki Okajima, Naoi Azahara, Kayoko Maeda, parce qu'ils ont réussi à produire cette merde. What? Il y a des voice acteurs à la base dans ce jeu. Yuko Goto a fait Ryo Futaba. Oh mon dieu, ça veut dire que dans la version japonaise, il y a des voix. Notre seul confort est de voir la face souriante de Ryo qui maintenant continue ses activités en tant que pin-up. Oui, je sauvegarde. Notre seul réconfort est de voir la visage souriante. Ryo Futaba. Oh mon dieu, non mais sérieux. Qui poursuit ses activités en tant que pin-up. Gâteau, mange un gâteau. Mange le gâteau. Et ne tue pas des gens et je te tire dessus parce que tu es Ryo Futaba. Tu es une fille qui mesure trop de mètres de haut. Et qui a des mensurations qui sont trop grosses pour que le corps humain puisse comprendre ce qui se passe. Nous sommes... C'est trop compliqué pour nous. Je raconte de la merde. Gros pan sur les fesses avec une belle musique qui joue derrière. C'était Harry pour le 2 potes un jeu.